Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Aujourd'hui, cette vidéo est un petit peu particulière parce que vous allez découvrir le sujet et j'ai choisi de la faire avec une personne que j'apprécie beaucoup, mais je vais la laisser se présenter. Je t'en prie, vas-y, présente-toi. Bonjour, donc je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Du coup, en fait, pourquoi je suis là, c'est que j'ai acheté la formation d'Audrey. Et donc, j'ai fait sa formation en septembre sur comment gagner au jeu radio. Et suite à ça, j'ai mis tout de suite en pratique parce que j'étais assez emballée par l'idée. J'ai juste appelé une fois la radio. Et suite à ça, la radio m'a recontactée pour que je passe le lendemain. Et donc, c'était pour gagner un séjour au ski pour 4 personnes pendant une semaine. Donc, le lendemain, je suis passée et en fait, j'ai gagné le séjour au ski pour une semaine. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quelle radio c'était, si c'était le matin, le soir, comment ça s'est passé, lorsque tu as eu le standard, tout ça? D'accord, alors c'était sur Fun Radio, ouais. Et du coup, c'était le matin, ouais. Sur l'émission de 6 à 9. D'accord, et en fait... C'était difficile d'avoir le standard ou pas? Non, pas du tout. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance ou pas? Mais en tout cas, j'ai appelé le standard. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit « Dites-moi votre prénom, votre numéro de téléphone et votre âge. » Donc, c'est ce que j'ai dit. Et après, j'ai vu que je n'avais pas été sélectionnée pour participer. Donc, du coup, j'étais dégoûtée. Mais par contre, quelques heures après, ils m'ont rappelé pour me dire... Que j'allais être sélectionnée pour le lendemain et que j'allais participer au lendemain. D'accord, donc ça arrive très très souvent au niveau des jeux en fait. Ils essaient de regarder votre dynamisme et beaucoup d'autres choses que Léa a pu mettre en pratique. Et du coup, effectivement, après, ils vous rappellent pour savoir si vous pouvez participer ou non au jeu. Et par rapport aux questions, c'était quoi comme type de questions? Alors moi, j'ai joué au jeu des 30 secondes. En fait, j'étais contre une autre personne, donc j'avais une chance sur deux de gagner. En 30 secondes, les animateurs vont nous faire deviner des mots. C'est-à-dire, par exemple, l'animateur a le mot « tomate » sur sa feuille, mais il ne peut pas le dire, donc il va dire « c'est un fruit ou légume rouge », enfin voilà, pour que moi je dise « tomate ». Et le but du jeu, c'est que je devine le plus de mots que l'autre personne contre laquelle je joue, qui est aussi quelqu'un comme moi qui appelle la radio. Et donc, j'ai deviné le même nombre que la personne. Et donc, pour nous démarquer, ils ont posé une question. Et là, c'est moi qui étais plus rapide pour répondre, pour deviner le dernier mot. Donc, j'ai gagné, mais à vraiment peu. D'accord. Et du coup, donc, tu as gagné un voyage au ski? Un voyage au ski pour 4 personnes pendant une semaine. Tout compris? Alors, c'est l'hébergement et les forfaits. Donc, sachant que les forfaits, ça coûte super cher. L'hébergement aussi. D'accord, donc, tu es contente? Ah oui, du coup, je vais partir avec ma famille. Et tu vas recommencer? Ouais. Mais apparemment, d'après ce que tu m'as dit, tu n'es pas la seule de ta famille à avoir gagné. Oui, parce que du coup, j'en ai parlé à ma sœur et je lui ai dit non. Déjà, ma sœur, elle était super excitée quand je passais pour le ski, parce que toute ma famille avait envie de partir au ski, donc tout le monde était « Allez, vas-y Léa, allez, allez !» Et donc, du coup, j'ai dit à ma sœur « Mais vas-y, Audrey, elle se fait l'équivalent d'un deuxième salaire grâce à ça, elle gagne tout le temps, vas-y !» Donc ma sœur, elle n'a pas eu besoin qu'on lui dise grand-chose pour qu'elle y aille, elle était déjà à fond. Donc elle a joué à un autre jeu que moi, c'est aussi sur Fun, c'est le « Tout ou gagné, tout ou perdu ». Et en fait, elle a gagné donc une télé, écran plat, 82 cm, une tablette, la dernière tablette Samsung, un casque Beats, un super casque, vraiment qui coûte super cher. Et une compile CD. Voilà. D'accord. Donc ça vaut bien 700 euros ce qu'elle a gagné. Ouais. Et donc elle est trop contente parce qu'elle est étudiante et du coup... Elle a des trucs en plus de la dernière technologie, parce qu'elle, son ordinateur, ça fait 2 ans qu'elle l'a. Enfin, elle n'a pas l'habitude d'avoir des trucs neufs comme ça, donc elle est trop contente. Voilà. Est-ce que c'était difficile? Non. il fallait juste... Parce qu'en fait, moi, j'avais la formation depuis janvier, mais j'ai décidé de la mettre en pratique vraiment en septembre. Donc quand je l'ai mise en pratique, là, par contre, j'y suis allée à fond. Mais avant, je l'avais achetée, mais... Je m'en étais pas occupée parce que je m'étais dit il faut que je prenne le temps et tout. Ouais. Et puis là quand j'ai vu que j'avais gagné un séjour au ski pour 4 personnes, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas commencé à faire ça en janvier quoi. D'accord. Et tu penses que tu vas recommencer ou pas? Ah bah oui. Et tu penses que tu vas viser quoi comme gain?
Moi, je trouve que le tout ou gagné, tout ou perdu, je trouve que c'est pas mal. Ouais, il est pas mal. Parce que là, le jeu où j'ai gagné, je peux pas jouer pendant un an. D'accord. Donc c'est bien, mais au final, mieux vaut peut-être faire un jeu où on a peut-être un peu moins de valeur de l'eau, mais on peut rejouer dans 6 mois. Donc en fait, au final, on a plus et puis c'est. Enfin, mais là, c'était plus pour partir au ski, quoi. Enfin, ouais. Parce que ça fait. Ça fait des années qu'on n'est pas parti au ski pendant une semaine. Souvent, on part juste un ou deux jours comme ça. Mais, ouais, ça mais là, ça va être vraiment l'aventure. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est, ma famille ça est super contente. Voilà. Donc puis, là, c'est vraiment génial. Et puis, sincèrement, enfin, ça t'a pas coûté très cher, en fait. Ah bah non, parce que j'ai appelé qu'une fois. Mais c'est ça. Enfin, c'est, je sais après, pas. Des fois, j'ai l'impression que plus c'est facile, moins les gens font, en fait. Mmh. On est d'accord? Bah, en fait, les gens, ils ne pensent pas que c'est possible. Bah, ouais, ma sœur, elle ne pensait pas. Moi, je pensais pas. Après, quand je t'ai rencontré, tu l'as dit que c'était possible. Là, oui, j'y ai pensé, mais c'est bien de l'expérimenter par soi-même et de se dire, mais c'est trop bien, c'est trop facile. Ok. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas? Pour les personnes qui, je pense, vont nous écrire plein de commentaires, est-ce que tu pourrais répondre aux commentaires? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mis à part vraiment merci Audrey. Franchement, j'ai rien fait, c'est vraiment génial. J'ai rien fait, c'est tout toi qui as fait. Ouais. Bon. Mais voilà, bah, allez-y, foncez et je pense que vous allez gagner plein de trucs. Bon, et ben voyez, c'était Léa, c'était vraiment pas compliqué apparemment de ce qu'elle vous a dit. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible. Ça y est, elle a transmis le virus à toute sa famille. Mes résultats, ils vont partir au ski en regardant la télé et en naviguant sur la tablette. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à nous faire part de vos expériences. À bientôt. Bye.